Mais attention pour ce premier corner de la rencontre. C'est parti, c'est frappé, c'est dedans. Et c'est déjà un but, messieurs, dames. Ouverture du score extrêmement rapide à la 4e minute de jeu pour Bastia Borgo. Même si la relance là est très approximative, ça revient directement vers Isidore. Isidore qui une nouvelle fois trouvé. On est à l'entrée de la surface de réparation. La frappe d'Isidore, ça passe à côté. Bonguin qui demande à ses coéquipiers de lui offrir une solution. Attention à ce contrôle loupé qui rend directement le ballon à Bastia. Ouais, ça a profité à Giacomini. Et là, Doumbia qui vient de recevoir un tacle. Salut. Extrêmement sévère et carton rouge, Laurent. Carton rouge adressé par Anthony Ustaritz. Un long ballon une nouvelle fois pour les joueurs de Bastia Borgo. Et faute de Pierre-Charles. Coup franc à venir. Oula, alors que Bong conteste. Ah, oula, attention à Bong qui proteste un peu trop de manière virulente. Oh là là. Aïe aïe aïe, attention, j'ai bien peur du deuxième carton. Carton rouge pour Frédéric Bong. Oh là là, les joueurs lyonnais. Et c'est reparti pour les Lyonnais. Attention dans l'autre camp. Ça va vite, ça joue vite. Dans la surface de réparation. Et c'est un coup franc. J'ai cru qu'il y avait pénalty. Non, c'est pénalty. C'est dans la surface, Dimitri. Avec ce pénalty de Ivan Botella face à Escalès. Ivan Botella, Escalès. Et c'est poteau. Quel scénario, messieurs, dames. Quel scénario de fou. Et c'est la mi-temps sifflée sur ce score d'un but à zéro. C'est Doumbia qui récupère ce ballon. On joue sur le côté gauche. Attention parce que Nicolas Seguin, il est pris là de vitesse une nouvelle fois par Wilson Isidore. Wilson Isidore qui le transmet à Raoul qui a beaucoup de chance. Il est dans la surface de réparation, Raoul. Et c'est à côté parce que c'est dévié. Corner pour Lyon. Attention, c'est parti. C'est bien frappé. C'est écarté par Doumbia. C'est pas fini. La frappe et c'est dedans. Quelle frappe. Quel coup de canon signé Jonathan Rivas pour l'égalisation. Doumbia, Marmo qui va centrer dans la surface de réparation, c'est bien fait. La tête, oh, la claquette de Kakou, c'est lui qui l'a dévié. Geoffrey Durban qui a été trouvé, c'est repoussé. Marmo qui a un petit peu de chance sur le côté gauche. Marmo le centre, attention, la tête et c'est dedans. Oh que c'est cruel pour les Lyonnais qui étaient revenus dans cette partie, Laurent. Et oui, c'est Durban qui a su placer sa tête. On laisse jouer du côté de Monsieur Ustaritz. Et c'est terminé. Victoire ici au Stade Balmont, du FC Bastia Borgo, 2-1.